Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. Il est 8h30 et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la salle et de vous montrer un peu mon programme. Du coup, ce matin, ce que j'ai prévu, c'est un petit déjeuner un peu particulier. C'est la première fois que je le fais et surtout avec ce que j'ai dans mon frigo. Du coup, là, je suis en train de faire chauffer ma poêle. J'ai décidé d'y mettre 4 œufs, voilà, de les faire bouillir et de me déberner du coup pour avoir un peu de protéines et de nourriture pour tenir durant ma séance. Comme je vous l'ai dit, j'ai prévu donc 4 œufs et pour ma séance parce que c'est le plus riche en protéines et ce qui sert le mieux. Normalement, j'aurais dû manger genre des fruits secs ou un truc comme ça vu l'heure qu'il est, mais j'ai absolument rien au placard à part des œufs. Donc là, je vais faire mes œufs brouillés et je vais me sortir un Activia Muesli qui est dégueulasse mais qui au moins m'apportera quelques fruits secs et un peu de calcium. Du coup, ça devrait aller. Donc là, j'ai mes 4 œufs, mon eau, mon Activia céréales, voilà, avec des fibres, ce qui me manquait. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à déguster. On se revoit tout à l'heure quand je serai habillée et quand j'aurai mangé. Tchou. Bon, ça y est, je suis sur la route, donc du coup je suis habillée, donc genre comme ça. J'ai mis mes fils là parce que c'est le plus simple pour marcher. Vu que j'habite pas très loin de la salle, j'ai décidé d'y aller à pied, ce sera beaucoup plus simple. D'habitude je prends le tram, mais là j'avais un peu la flemme. J'y vais à pied, il y en a pour 20 minutes maximum. Et on se retrouve là-bas. Il est beaucoup trop tard, je crois qu'il est un truc comme 10h30 alors que je suis partie à 9h30, un truc comme ça. Je crois que j'ai mis une heure à arriver, mais c'est pas grave. Du coup, je change de chaussures et on y va. C'est parti.
Il est 11h30. Je viens de terminer ma séance. Je suis fatiguée, très fatiguée. Pour la première fois, j'ai réussi à faire une demi-heure de course à la fin de ma séance. Je suis pas du tout dans le cardio de base. Je suis pas du tout bonne. J'avais réussi une fois pour mon 400 mètres durant le bac. J'avais une bonne note, mais là, je suis en train de me rendre compte que c'est mon avenir qui en dépend. Hein. Et putain, c'est la première fois que je transpire autant, je crois. Et à la base, je voulais finir au bout d'un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, comme sur mon programme, c'était limite normalement, parce que j'avais dit à ma coach que c'était pas excellent, quoi. Et au fur et à mesure, bah, je me suis poussée. J'ai failli arrêter au bout de 25 minutes et me dire c'est bon, je fais 5 minutes de récup. Et puis en fin de compte, bah, j'ai fait une demi-heure et 30 minutes, 3 secondes, j'ai arrêté, j'ai fait récup. Comme quoi, c'est le mental qui fait tout. Du coup, là, je vais rentrer à pied pour essayer de me détendre un peu. Je vais faire 2-3 courses pour faire une salade. Oh oui, du coup je change de chaussures hein, et puis on y va. Je suis éclatée, j'ai failli vomir plusieurs fois mais je suis... Hey, du coup, dernier plan. Donc je voulais vous montrer globalement ce que j'avais... Et de l'eau là. Ce que j'avais mis dans mon assiette. Donc à la base je voulais mettre des pâtes, sauf qu'il me restait du riz donc j'en ai mis. Donc là on a du riz, du maïs bio, du tout entier, un avocat, et en dessert je me suis acheté en fait des yaourts à la grecque et j'ai mis des framboises dedans, voilà. Du coup pour pas oublier de s'hydrater, hop, j'ai acheté de l'eau pétillante mais j'ai aussi de l'eau minérale ici, et je vais agrémenter tout ça d'un jus de citron, et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchou !